La colline de Ronchamp est un lieu de pèlerinage, de méditation et de prière dont l'ancienneté remonte à l'époque celtique. Cette chapelle est l'œuvre la plus extravagante et la plus mirobolante de toute la série des bâtiments réalisés par Le Corbusier. Lors de sa construction, la chapelle de Ronchamp fut accueillie comme la plus déroutante. Elle prit de court les épigones du maître qui n'avait pas vu venir cet ovni à réaction poétique et qui furent décontenancés de voir celui qui proclamait sa foi en l'art placer son talent au service de l'art de la foi. La chapelle de Ronchamp doit satisfaire à une double vocation, être en même temps un lieu de prière et de recueillement, et pouvoir accueillir des milliers de pèlerins pour les fêtes de la Vierge Marie. Contrairement aux apparences, tous les murs de la chapelle de Ronchamp ne sont pas porteurs. Si les tours et le mur nord utilisent en partie les pierres de démolition récupérées sur l'édifice précédent, le mur sud, constitué d'une série de piliers en béton armé, plus large à la base qu'au sommet, permet de soutenir la coque du toit et de libérer la façade pour laisser passer la lumière. La plupart des réalisations produites par Le Corbusier manifestent des recherches constantes en rapport avec le féminin. Ronchamp n'échappe pas à la règle. L'édifice trace au sol une succession de courbes sinueuses et ondoyantes, larges et épanouies, pleines ou creuses, qui délimitent les cœurs. Plus qu'une coque de crabe ramassée sur une plage de Long Island près de New York en 1946 et que Le Corbusier va dessiner, c'est l'aile d'avion qui va fortement influencer l'architecte et lui faire concevoir cette double enveloppe qui repose sur un coussin de lumière. Le Corbusier a toujours été en quête d'une architecture adaptée à l'homme et en quête du sacré. J'existe, je suis un mathématicien, un géomètre et surreligieux. C'est-à-dire que je crois en quelque idéal gigantesque qui me domine et que je pourrais atteindre.
Ce qui frappe et caractérise cet édifice, c'est la présence de la lumière qui ne s'impose pas, mais s'apprivoise et diffuse sa vibration aux espaces. Le Corbusier dira « La clé, c'est la lumière, et la lumière éclaire des formes, et ces formes ont une puissance émotive. » La lumière diffusée par le mur sud transmet au sanctuaire une présence qui force le recueillement. Les multiples ouvertures aux larges embrasures, qui obéissent à une véritable ordonnance, captent les moindres rayons du soleil, quelle que soit l'heure de la journée, et maintiennent, grâce à leur transparence ou à leur translucidité, un contact permanent avec le paysage environnant.